Coucou à tous et bienvenue pour cet épisode 4 des Hunger Sins spécial vilain Disney. Ils sont là, ils vous attendent tranquillement dans ce magnifique château de l'angoisse, château sombre. Les 5 restants de ce Hunger Game of Sins, Ursula, Madame de Tremaine, Grimilde, Docteur Facilier et Gaston sont encore en place pour conquérir les uns contre les autres. Aujourd'hui, une nouvelle épreuve les attend. Ils sont 5. En fin d'épisode, ils seront plus que 4. Mais qui sera éliminé? Qui sera le maillon faible de cet épisode? Eh ben on va aller tester ça tout de suite. Nous revoilà dans le terrain neutre. On va aller faire ce... les uns contre les autres. Je vais y arriver, au secours. Aujourd'hui, c'est en une épreuve artistique qu'ils vont s'affronter. Fini le sport. On va passer à quelque chose un peu plus coquet, un peu plus douillé. Nos 3 filles et 2 garçons restants vont s'affronter. Hop. Chacun va voir ses toiles. C'est un peu comme les princesses Disney qui avaient commencé avec la peinture. Là, on est en cours. On a déjà élu les meilleurs physiquement. Maintenant, on va les tester d'une autre manière. Oui. Quelques petites épreuves. De toute façon, vous aviez vu au début quelques petites épreuves qui donnaient des indices. Par contre, Ursula Bichette, c'est fini le foot. Non, c'est pas ça que je te demande. Oui, bah écoute, non, je t'ai dit. Allez, tu ranges ton truc. Et on va les faire peindre. Qu'est-ce qu'on va les faire peindre? Une toile classique à 100. Bien sûr, celui qui aura peint les moins bonnes toiles, c'est-à-dire les moins chères, sera maillon faible de cet épisode. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire pour qui vous êtes, lequel de ces méchants vous préférez, lequel de ces méchants vous détestez, lequel vous voudriez voir gagner, lequel que vous voudriez voir perdre et mourir dans d'atroces souffrances. C'est parti, ils vont commencer leur petite toile et l'inspiration viendra ou viendra pas. S'ils aiment l'art... Putain, mais Grimilde, elle est à fond déjà, hein. Elle est déjà à fond, tandis que Gaston fait un petit lapin. Trop mignon. Sûrement pour séduire une jeune fille innocente, sûrement. Alors que les premières toiles commencent à se finir, Ursula aussi a fait le petit lapin. C'est mignon. Alors que Madame de Tremaine et Docteur Facilier ont fait le chien et le chat version j'ai 8 ans. Grimilde a fait un paysage. Et Gaston est passé déjà à sa deuxième toile qui nous fait le chat et le chien. Très bien, très bien, très bien. Deuxième toile pour Grimilde. Les autres n'ont toujours pas fini leur première. Après, ça peut être positif aussi. C'est-à-dire que s'ils mettent plus de temps, elle peut valoir un peu plus de sous. Ouais, wait and see. Madame de Tremaine se met à sa deuxième toile. C'est sûr que du coup, le suspense est un peu plus présent parce que, voilà, il n'y a pas d'élimination au bout de 4 dribbles, hein, ça c'est sûr. Ursula entame sa dernière toile ainsi que Docteur Facilier. Ursula, elle commence sa deuxième, mais elle n'était pas inspirée, elle est passée à la troisième. Elle se dit, comment ça, je suis en retard? Mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fout? Mais meuf, ah non, tu l'es fait, hein. Ah, anxiété qui monte, amertume tenace. Bon, Ursula, tu me déçois? En vrai, je veux vraiment qu'ils finissent les toiles, parce que sinon, c'est un peu cheaté et tout, mais là, ouais. Va faire un tour, en vrai, va prendre l'air. Je sais pas, mais ça va pas. Oh non, il se met à pleuvoir en plus. Bon, sinon, ils sont presque tous sur leur dernière toile, mais en fait, pas vraiment. Il y a juste Gaston et Madame de Tremaine qui y sont. Elle, j'essaye de la faire penser à autre chose, sous la flotte. Ah, mais ouais, par contre, c'est chiant, la flotte, là. C'est extrêmement relou. Je pense que je vais modifier la météo. Bon, bah voilà, maintenant, elle est terrifiée. Ça change un peu. Madame de Tremaine, vous n'avez pas fini votre toile. Oh là là là. Ah là, tu es sèche. Tu reprends tes toiles. Grimilde, c'est pareil. Qu'est-ce que t'as? Ah, maintenant, ils sont tout mouillés, alors ça leur va pas. Ah, ils me cassent les pieds. Hein. Allez, hop, vous reprenez vos toiles. Toi. Allez, madame. Tous. Docteur Facilier, c'est la même chose. En vrai, il a même pas fini. Aïe, 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 aïe. Et Gaston, c'est la même. En plus, il a mangé du cake aux fruits, il aime pas ça. Alors, pourquoi le manger? Vous me demanderez. Bon, bah, lui, il veut vraiment pas reprendre. Parce que c'est sale. Ok, super. Alors, Madame de Tremaine et Grimilde ont fini. Donc, elle se balade et elle parle aux autres gens. Facilier, il m'a fait 3 fois les mêmes toiles, lui, c'est pour emmerder. Toujours aussi moche, par contre. Toi, tu veux toujours pas peindre? Je sens que c'est complexe. Hein. Ah, voilà. Ils font tous du jongle, maintenant. Non, mais voilà, l'autre, il se tape dessus, en plus, et tout. Mais finis ta toile, en fait, Jean-Guiton, là. Ursula n'a pas encore fini sa toile, mais bien plus que Gaston. Gaston, je l'ai envoyé plus loin. Peut-être que si c'est plus loin et que c'est moins sale, voilà, il sera toujours mal à l'aise, mais un peu moins. C'est bon, il va pouvoir reprendre sa toile, je l'espère en tout cas, parce que là, ça commence à faire long. Yes, c'est bon, il peut s'y remettre. C'est toujours aussi sale, il n'y a rien qui va, mais je vais le flinguer. Et si je te mets là, tu
peux reprendre. Toujours trop à côté, c'est ça pue tout le temps. Ah bah elle, elle a fini sa toile. Hein. Tu peux la mettre dans ton inventaire. Ah, maintenant il a froid. Non mais... Allez Gaston, dépêche-toi, finis ta toile. Mais bon, ça va au moins... Voilà, c'est bien. Le cake aux fruits ne lui pose plus de problème. Il est inspiré, c'est pas forcément bien. Mais il va finir sa toile. J'ai espoir. Ah, et puis il y a encore ces dernières là-bas. Tous les autres sont partis, ils en ont marre de l'attendre. Ils ont bien raison. Allez, c'est fini, tu le mets dans l'inventaire, tu mets les autres également. Et on va faire les comptes. Donc s'il vous plaît, vous pouvez tous revenir là. Messieurs, dames, les compétiteurs vilains Disney là. Allez, Gaston, rejoins les autres. Mais ce conglomérat de rouge, violet, bleu, rouge, violet, noir. Les couleurs, ça change. On va commencer par maîtresse Ursula. Ces trois toiles voilent 320 Simflou, c'est pas terrible. Tremaine, 368. Grimild, 347. Tu peux rentrer chez toi. Pour l'instant, Ursula, le puduc. Hein. Docteur Facilier, 347, tu peux rentrer chez toi. Et Gaston versus Ursula, 342. J'aime bien, je dis que j'aime bien Ursula, qu'elle a du style. Forcément, c'est elle qui va rendre l'âme. Bon, allez, on se retrouve pour la mise à mort de Ursula. Et ça y est, c'est le moment de la mise à mort de notre chère et tendre Ursula. La femme pieuvre. Qui, donc, je trouve, serait parfaite pour mourir. Dans la flotte. Allez, surtout, fais des longueurs, n'hésite pas, profite. Alors, je pense pas... Ouais, voilà. Elle a un maillot de bain. Ah, mais c'est un maillot de bain, c'est un truc sirène un peu qu'elle a. Très bien. Bon, bah, elle va faire des longueurs histoire de se dépenser et d'être un peu plus fatiguée. Je ferme pas, parce que je me dis que je peux encore la contrôler pour éviter qu'elle ressorte. Quelle meilleure fin pour une femme pieuvre que de mourir noyée. Bon, je lui ai prévu des petites longueurs pendant un petit moment, quand même. Hein, parce que, de toute façon, l'énergie, elle est encore très très bonne. Hein. Le jour est en train de se lever sur le dernier matin d'Ursula qui continue de faire ses longueurs. Tranquillement, niveau 3 de la compétence fitness. Par contre, elle a froid. Ah, ça c'est trop nul. Que je peux pas l'obliger. Oh là là, non, tu restes là-dedans. Baigne-toi sans aucun vêtement. Ah oui, sans aucun vêtement, c'est avec une robe. Spéciale chez elle un peu quand même. Hein. Tu veux pas faire des longueurs? Va nager là-bas au bout. Je pense que de toute façon, je vais quand même fermer la barrière parce qu'elle va vouloir s'échapper. Voilà, elle ne peut plus. Elle est enfermée ad vitam aeternam dans cette piscine. Je te conseille de nager jusque là. Voilà, tu nages. Tu es nue et tu nages, mais tu as une robe quand même et tu nages toujours. Qu'est-ce que tu veux faire, hein? Tu veux faire du ballon? À la limite, tu peux t'en servir comme bouée quand tu te noieras, mais voilà. C'est que la bougresse, ça va à la limite vouloir mourir de faim avant, quoi. Ah, voilà, faire des longueurs. Oui, fais des longueurs. Effectivement, fais des longueurs, amuse-toi. Madame de Tremaine qui arrête pas de l'appeler. Paul Fontaine m'a proposé un rencard. Ben non, mais ouais, dis donc, elle va se retrouver enceinte, l'autre, là. Je pourrais plus la tuer, la Tremaine. Alors, à la fin, elle sera affamée dans 20 heures, mais en même temps, elle est éreintée et fatiguée. Elle sera épuisée dans 2 heures, donc on a encore un peu le temps. Ce que j'allais dire, c'est qu'elle va être kiff-kiff avec la fin, mais de toute façon, elle se noiera avant. Hein. Clairement, soyons honnêtes avec nous-mêmes, elle va se noyer avant de mourir de faim. Épuisée dans 30 minutes. Rire de manière maléfique. Bah rigole, rigole, ça me dérange pas. C'est moi qui vais rigoler de manière maléfique. Épuisée dans 0 minute. Et elle peut... Ah, cette eau claire a l'air profonde. Bah ouais, tu deviens thalassophobe. Bizarrement, la peur qui monte, la peur de nager. T'es pas obligé de nager, hein. Affamée dans 8 heures et évanouissement dans 3 heures. Donc pour l'instant, on va attendre que ça passe. L'évanouissement dans 47, 46, 45 minutes. Sous un ciel incroyablement magnifique. Regardez-moi ces couleurs. Je savais même pas que c'était possible à Forgotten. Notre belle Ursula. Enfin, belle. Notre Ursula. La pieuvre. La méchante de la petite sirène. Va mourir. Ouais, c'est ça. Rigole. Rigole, rigole. C'est moi qui vais rigoler. Est-ce que tu tires ta révérence, Ursula? Ça sert à rien. Tu ne t'en sortiras pas. Ça y est. Elle bouge. Elle tente. Elle dit... Mais il y avait une ouverture par là tout à l'heure. Ah! Eh ben non. Elle se rhabille pour l'occasion. Elle a revêtu sa belle robe pour mourir dignement. Ursula, la pieuvre, n'est plus. Elle est morte. Et c'est moi qui rigole. Je crois que la faucheuse a quelques envies d'enjouement. Merci faucheuse d'être passée. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Alors qu'Ursula, en tout cas sa tombe, rejoint ses autres camarades. Il ne restera maintenant plus que 4 compétiteurs. La faucheuse s'en est allée. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode des Hunger Games aussi. Qui
sera donc éliminé la prochaine fois. C'est à vous de me dire vos pronos. Des bisous à vous. À très bientôt. Ciao, ciao.